MacBook Pro M3 Max qui vient de sortir contre le dernier Razer Blade de 16 pouces avec l'RTX 4080. Est-ce que c'est le retour de la petite guerre Mac contre PC? Est-ce que Apple plie le game des portables un petit peu extrême? Est-ce qu'on va avoir enfin des jeux vidéo sur Mac? Le combat des titans, c'est maintenant. Alors les forces en présence, on commence avec le M3 Max qui est le plus puissant de la gamme, le plus cher aussi, on va le voir. Donc ici avec un CPU à 16 cœurs, donc c'est vraiment un monstre de puissance. Surtout on a 12 cœurs performants, seulement 4 cœurs économes. Avant on était à 8 plus 4 sur le M2 Max, même 8 plus 2 sur le M1, donc c'est vraiment un gros bond. Moi je voulais beaucoup de cœurs performants, donc Apple nous a écouté. Le GPU il grimpe à 40 cœurs, c'est 2 de plus que le M2 Max, 8 de plus que le M1 Max. Donc on va dire que c'est plus modeste en termes de progression. Et ici on a une version haut de gamme avec 128 Go de RAM, attention elle est partagée entre le CPU et le GPU. On a 8 Tera de SSD et le tout coûte la bagatelle de 8 500 €, les amis. Oui, c'est très cher. Alors chez Razer, on a pris le Blade de 16 pouces, donc la dernière version avec le Core i9 à 5.5 GHz, 24 cœurs. Alors chez Intel, on a un petit peu moins de cœurs rapides, ils sont seulement 8, 16 économes, mais on va le voir, ça envoie quand même du pâté. On a la RTX 4080 de Nvidia, 175 watts, donc très très puissante aussi. On peut prendre une 4090 en option, bon, là je me suis un petit peu limité. 12 Go de mémoire vidéo dédiée, on a 32 Go de RAM, on a 1 Teraoctet de SSD. Ça coûte un petit peu moins de 5 000 €, donc c'est quand même beaucoup moins cher qu'un Mac, surtout si vous voulez le passer à 8 Tera, vous en trouvez dans le commerce autour de 1 000 €. Mais voilà, quand on veut de la finition, quand on veut des perfs sur PC, il faut quand même mettre le prix. Alors, avant de parler des benches, des perfs, je voulais quand même revenir un peu sur le design, puisque Razer, c'est un peu pour moi ce qui se rapproche le plus d'un Mac. Regardez ici les finitions qui sont vraiment impeccables. On a un boîtier en alu avec des couleurs teintées dans la masse, avec un procédé anodisé comme chez Apple, avec un boîtier monocoque. Donc vraiment, on se croirait sur un Mac, et encore plus quand on se met à taper au clavier. Regardez-moi le feeling. Moi, j'ai l'impression que c'est quasiment le Magic Keyboard d'Apple. On a un super feeling. Même chose pour le trackpad, un grand trackpad en verre, vous voyez, la même taille que sur Mac. Alors par contre, il faut cliquer, c'est un vrai bouton, mais c'est la seule différence. Franchement, il est hyper agréable à utiliser. Alors en revanche, il est un petit peu plus épais. Vous voyez ici, je vous ai mis les dimensions, donc c'est assez notable, on va le voir pourquoi. Il est un petit peu plus lourd, mais pas tant que ça finalement. Dans le sac, ça se ressent pas trop. Et en fait, en termes de finition globale, en termes, je dirais, d'impression, bah, finalement, ces machines sont assez voisines. Alors sur les écrans, on se dit, ouais, Apple, ils ont du mini LED et tout, ils ont des écrans très haute résolution, Retina. Et bah en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que ici, par exemple, on est en 4K natif, alors qu'Apple, on est un petit peu en dessous. Oui, les amis, on a plus de pixels sur le PC. Mais vous allez me dire, oui, mais Apple, ils ont du mini LED. Bah non, on a aussi ici du mini LED. Oui, mais Apple, ils ont 1600 nits. Oui, c'est vrai, ici, on est qu'à 1000 nits. Mais franchement, en extérieur, moi, j'ai pas vu tellement de différence. Ici, les 1600 nits, ils sont que sur le HDR, ils sont que en pic. Donc finalement, on les a pas si souvent que ça. Et puis, une grosse différence aussi, c'est que ici, on a le ProMotion sans verte. Mais bon, sur PC, ça fait longtemps qu'ils l'ont. Et surtout, là, sur le Razer, on peut passer en 1080 et monter à 240 Hz, les amis. Oui, deux fois plus rapide. Alors ça, quand vous faites des ralentis sur de la vidéo, par exemple, ou quand vous faites du jeu vidéo, c'est pas mal de dépasser les 120 FPS. Donc finalement, le Razer, il est même un petit peu devant Apple hein, en termes d'écran. Alors un petit mot aussi sur la connectique. Vous allez voir, c'est deux salles, deux ambiances. Bon, chez Apple, on connaît, on a beaucoup de Thunderbolt, trois prises avec trois contrôleurs. Donc là, pour avoir pas mal de débit, c'est cool. On a depuis quelques années le retour du HDMI, de lecteur SD, de toujours la prise casque, bien sûr, le MagSafe pour éviter voilà, que la machine vole si on shoot dedans. Alors chez Razer, on a le parti pris d'être un peu plus polyvalent, puisque regardez, on a toujours de l'USB-A. Et ben ça, c'est quand même pratique quand vous voulez brancher un micro, une souris, une clé USB. Pour autant, on a quand même de l'USB-C. Ici, on a un petit port. On a aussi de l'autre côté un port Thunderbolt. Donc là aussi, c'est quand même assez cool hein, si vous avez besoin de gros débits ponctuellement. On a une alimentation, alors qui n'est pas MagSafe, qui est propriétaire. Regardez la taille du câble, on va en parler juste après. Alors moi, j'ai quand même fait un petit test. Regardez, j'ai un boîtier USB 4 qui est pris en charge maintenant sur Mac. Et regardez les débits, on est à 3 gigaoctets secondes. Donc c'est vraiment pas mal. C'est mieux que le Thunderbolt hein, sur les débits purs avec un SSD externe. Je l'ai branché sur le PC. Regardez ici, on est à 1,6, 1,8 gigaoctets secondes. Quasiment deux fois plus lent que le Mac. Alors théoriquement c'est la norme USB 4, donc il n'y a pas de raison. En fait c'est aussi le cas en Thunderbolt, on a souvent des débits qui sont un petit peu décevants sur PC. Moi je dirais que le PC est un peu plus polyvalent en termes de connectivité, il y a un peu plus de choix, mais si on veut vraiment du débit et si on veut finalement brancher plus de périphériques en quantité avec des adaptateurs, le Mac voilà
sera un petit peu plus performant. Alors un atout énorme du Razer par rapport au MacBook Pro, c'est, regardez, quand je l'ouvre, alors on peut ouvrir aussi les Mac, mais là, il y a des emplacements pour la RAM et surtout pour le SSD. Alors ni une ni deux, j'ai installé ce petit P5 Plus de Crucial, et regardez les débits, 5 à 6 Go/s, c'est quand même deux fois plus rapide qu'en USB-C. En fait, quand on a ce disque-là sur Mac en externe, on peut jamais avoir le débit maximal, hein. Il n'y a pas de Thunderbolt 5 par exemple pour l'instant. Donc en fait, chez Apple, on n'a aucune solution à part prendre le SSD, effectivement Apple en option, mais qui est hyper cher, alors qu'il pourrait tout à fait faire voilà, un petit emplacement M2. Regardez la finesse de ces SSD désormais. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que Apple, ils mettent des SSD super rapides dans leur Mac, alors ils les vendent un petit peu plus cher. Et ben regardez, en fait, pas du tout. Là, on a la version 1 Teraoctet, 6 Go/s, comme dans les Mac Pro. De toute façon, c'est les mêmes connectiques, les mêmes formats, NVMe, PCI Express. En fait, Apple n'a aucune justification en termes de débit, en termes de tarifs. Donc ok, ils nous mettent pas de SSD, de petits ports M2 à l'intérieur, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faudrait que les options soient à des prix raisonnables. Là, on est à 3 fois, 4 fois, même un petit peu plus cher des fois. Donc voilà, c'est totalement impardonnable, c'est uniquement pour faire de l'argent. Et ça, moi, je ne comprends pas qu'Apple agisse de cette façon. Alors, il fallait absolument que je montre une alim. Regardez, ça, c'est une alim de MacBook Pro 16 pouces toute option. Ça, c'est une alim de Razer Blade. Ça, ça fait 330 watts, 140 watts. Alors, pourquoi une telle différence, hein? C'est quasiment le double. Eh bien, tout simplement à cause des puces qui sont à l'intérieur, puisqu'ici, un CPU sur PC, ça consomme à peu près 120 watts en crête, une carte graphique pas loin de 200 watts, et puis plus les périphériques que vous allez connecter dessus, alors que le Mac, c'est quasiment, on va dire, 2 à 3 fois moins de puissance nécessaire, d'où la taille des alim. Et ça, dans un sac, ça fait quand même la différence. Bon, allez, on passe au comparatif de performance. Mais je voulais commencer quand même par un petit Cinebench, puisque ce programme il permet de tester le CPU, puisque c'est le vrai outil de cinéma 4D, hein. Il y a un vrai calcul qui est fait derrière de rendu, c'est pas comme Geekbench qui additionne des pommes et des poires. Et regardez ici, notre M3 Max, il atomise littéralement le i9, que ce soit en simple ou en multicœur. Et alors sur batterie, donc si on débranche le PC, regardez ici, le i9 a un score de M3 de base, c'est quand même assez dingue, donc si vous êtes dans le train et tout, vous savez à quoi vous attendre. Et surtout regardez la conso, chez Intel on est à 110 watts, on est à moins de 50 watts chez Apple, hein, c'est plus que deux fois moins. Donc les amis, si vous avez encore des actions chez Intel, il serait peut-être temps de les vendre. Alors sous Geekbench, que j'aime un peu moins parce qu'ils additionnent des pommes et des poires, ils font de la pondération, mais bon, c'est quand même intéressant. Regardez le score ici en multi, il est vraiment anémique sur le i9. Il est même moins performant que le M3 quand on est sur batterie, c'est quand même complètement fou. Alors juste ça, c'est un petit truc entre vous et moi. Moi j'avais un M1 Max, regardez ici le M3, le CPU du M3, il talonne mon M1 Max que j'ai payé une fortune il y a 2 ans. Bon, voilà, même sur Mac avec des bonnes puces comme ça, on a les boules sur quelques années seulement. Alors maintenant, on va parler de performance un petit peu plus graphique dans le domaine du montage vidéo, du jeu vidéo, aussi du GPU pur. On va commencer par un petit Cinebench rapidement, puisque en fait ce bench il inclut maintenant le ray tracing, donc ça c'est très intéressant, c'est une des grosses nouveautés des puces M3. Et ben pourtant, regardez le M3 Max là, il se prend une vraie fessée. La 4080 elle est nettement devant, pourtant c'est une version portable, hein, qui est un petit peu bridée. Et puis le M1 Max, regardez, il est totalement largué là, parce qu'il n'a pas de ray tracing, il est voilà, en dessous du M3 Pro. Par contre, regardez, si on se met sur batterie, donc on débranche le PC, là on a le score d'un M3 Pro, donc ça reste raisonnable, mais on perd quand même beaucoup de performance sur le PC, hein, si vous jouez dans le train par exemple. Et puis regardez, le M3 de base, il n'est pas dans mon graphique, pourquoi? Parce que bah, le bench n'a pas voulu se lancer, il n'y a pas assez de RAM, tout simplement, c'est quand même assez incroyable, Apple, mettez de la RAM dans vos ordi quoi. Allez, on passe à des tests de jeu. Alors si vous êtes sur PC, vous moquez pas trop, sur Mac, on fait avec ce qu'on a, donc Shadow of the Tomb Raider, un jeu de 1930, à peu près. Donc là regardez, le Razer est loin devant, hein, quasiment voilà 50 fps d'écart, ce qui est quand même énorme pour une machine très récente censée être la plus puissante de la gamme. Regardez le M1 Max qui a une bonne avance quand même sur le M3 Pro, donc voilà, si vous achetez le M1 Max, il est pas foutu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les températures. Regardez, sur PC on est à peu près à 58 degrés contre 53 sur le Mac, donc le Blade est quand même plutôt bien refroidi, hein, 58 degrés on va dire que ça va encore, on a des chambres à vapeur et tout, ça marche plutôt pas mal. Par contre on a des ventilateurs qui soufflent, et du coup j'ai fait un petit test, regardez, de bruit, on est quasiment à 60 dB sur le PC, moins de 50 sur Mac, 10 dB d'écart, c'est absolument énorme. Donc le PC, il est vraiment très très bruyant quand vous jouez. Quand vous enlevez l'alimentation, ça continue d'être bruyant, mais par contre les scores s'effondrent. Regardez ici, on est au niveau d'un M1 Max avec notre 4080, c'est un petit peu les boules quand même. Allez, un autre Tomb Raider encore plus vieux, 1830. Alors là, regardez, donc Rise of the Tomb Raider. Le M3 Max, il se défend pas si mal, mais il est encore une fois en retrait. Mais vraiment, la plus grosse surprise de ce bench, regardez, c'est les performances sur batterie de notre PC. Alors, je vous rappelle que sur Mac, on a les mêmes performances, hein, qu'on soit branché ou pas. Mais ici, on est à 30 FPS, c'est-à-dire que le jeu n'est pas jouable, alors qu'on était en médium, en 1080, sur un jeu qui a 10 ans. Et là, vraiment, c'est pas terrible du tout, hein. Alors, un des rares jeux natifs que j'ai sur les deux plateformes, donc qui est vraiment métal, Apple Silicon, donc ultra optimisé sur le Mac,
Mac, et ben regardez la rousse, la grosse fessée que se prend le M3 Mac, quasiment 100 FPS d'écart avec la 4080, donc vraiment la débandade pour Apple, hein, surtout sur une machine ultra récente comme ça, la 4080 elle a déjà quand même un an. Ici par contre, sur le Razer, dès qu'on débranche, on est à 30 FPS, donc là c'est vraiment c'est la bérésina. Je vous rappelle que sur Mac, si on reste branché, on a exactement les mêmes performances, hein. Apple ne descend pas les perfs une fois que vous débranchez la machine, donc oui, le Mac sera plus rapide dans le train, mais pour tout le reste, le PC sera nettement devant. Alors je vous ai fait aussi quelques autres tests de jeu, bon je vous les mets rapidement, mais clairement le Mac c'est pas une machine de joueur, c'est beaucoup moins performant et vous n'avez pas d'autres solutions, c'est-à-dire avant on pouvait mettre des GPU externes, maintenant on peut plus, Apple ne prend plus en charge les cartes Nvidia AMD dans des boîtiers Thunderbolt. Alors je dirais que voilà, le PC effectivement il consomme beaucoup, il fait plus de bruit, il chauffe un petit peu plus, mais quand même si vous voulez de la paire, vous n'avez pas le choix, il faut prendre un PC. Bon, on se dit qu'en édition vidéo le Mac est quand même ultra optimisé, il y a beaucoup de vidéastes sur Mac, donc là j'ai pris Resolve qui est quand même dispo sur les deux machines. Avec un petit effet, regardez, de débruitage, effectivement, le Mac est devant, pas énormément, mais quand même, il tient tête au Razer, mais pour tous les autres effets, le PC était devant. Regardez, grain de film, contraste, là, ça demande beaucoup de GPU, donc le PC, il fait appel à la 4080, et là, il n'y a absolument pas de débat possible. Bon, là, c'est des petites séquences, mais si vous répétez ça, voilà, sur des dizaines de minutes, ça peut faire quand même des écarts énormes pour des exports, par exemple. Par contre, sur le PC, regardez, si vous le débranchez, vous avez la puissance d'un petit iMac. Donc là, par contre, dans le train, si je veux faire du montage dans l'avion, le Mac sera nettement devant. Et un autre point aussi, pour lire une simple séquence 8K, ici, on a les ventilateurs qui se mettent en route, alors que sur le Mac, c'est ultra silencieux. Donc oui, le PC reste toujours un petit peu plus bruyant, un petit peu plus gourmand en énergie, mais il est quand même plus puissant, y compris dans du montage vidéo. Alors, il y a quand même une grosse différence. Moi, je travaille beaucoup dans le train, dans l'avion, et c'est vrai que sur le Mac, on a toute la puissance, même si ça dure pas forcément très longtemps. On n'a pas 8 heures d'autonomie en faisant du Final Cut Pro, mais quelques heures à pleine puissance, ça permet quand même de travailler. Alors que sur le PC, pas du tout. Et ça, c'est une énorme différence. Et pourquoi? Bah regardez, j'ai mesuré la puissance nécessaire quand je fais du montage, c'est 250 à 300 watts sur le PC. C'est-à-dire que en fait, la batterie ici est incapable de délivrer une telle puissance. Et si elle était capable, de toute façon, ça durerait voilà, moins d'une heure, on aurait 30 minutes d'autonomie, donc ce serait quasiment inutilisable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez faire du montage en vraie mobilité, le Mac reste indétrônable. Et ça, c'est quand même assez important. Lui, c'est un transportable. Lui, c'est vraiment un vrai portable. Alors un test qui est intéressant aussi, c'est tout ce qui est conversion vidéo. Regardez, H.264, HEVC. Donc là, j'ai fait un test sous Première, sans effet, juste pour mesurer. Et regardez, on est vraiment au touche-touche entre le M3 Max et le Blade. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, le Mac Studio les défonce. Bon, le Mac Studio, il a un M2 Ultra qui n'est pas dispo dans les portables, mais c'est quand même une machine qui est très très fine. Donc voilà, Apple en a encore sous le pied pour la conversion. Et la conversion, c'est quand même une grosse partie des exports hein, entre les deux machines. Bon, là, en tout cas, ici, pas de gel. Alors, on me dit souvent que la suite Adobe, elle est un petit peu plus performante sur PC, mieux optimisée. Alors, regardez, j'ai fait un test là sous After Effects qui est quand même assez gourmand. Voilà, c'était un effet de flou. Donc voilà, il faudrait faire aussi beaucoup de tests. Mais quand même, j'étais assez surpris de voir que le Mac, eh ben, il atomisait le PC, regardez, de plusieurs minutes. Donc c'est assez impressionnant ici. Donc en fait, la suite Adobe, maintenant, je la trouve ultra optimisée. Et elle prend en charge toutes les dernières API, les dernières routines d'Apple. Donc vraiment, faites des tests, ceux qui font du After. Essayez sur Mac, vous allez être vraiment très surpris. Alors, on est sur des portables, on veut du Wi-Fi rapide. Regardez la fiche technique, on a du Wi-Fi 6E sur nos deux machines. Donc on se dit cool, je fais des petits tests de débit, je me mets sur un petit réseau local. Voilà, on est à 1300 mégabits seconde, 160 mégaoctets seconde bien maintenu sur le Mac. Donc ça, c'est super. C'est la première fois que j'ai vraiment un débit de Wi-Fi 6E qui est bien maintenu sur le Mac. Ça marche enfin. Par contre, la déception sur PC, on était autour de 100 mégaoctets seconde, donc c'est du débit de Wi-Fi 6 classique, donc j'étais assez surpris. Pourtant, j'avais le dernier M6 Pro de Netgear, donc qui est ultra performant, et j'ai passé vraiment à côté de l'ordinateur, donc il avait tout ce qu'il fallait. Bon, voilà, là, le Mac est plus performant que notre Razer sur le Wi-Fi 6. Allez, on termine par un test d'autonomie, et Apple, là, vraiment, mais défonce les PC. Regardez ici, donc j'ai mis une vidéo qui était en 1080, écran à fond, donc pas un truc de fou, en H.264, et ben, le PC, il a tenu moins de 3 heures. En gros, vous pouvez même pas regarder Titanic sur cette machine, alors que sur le Mac, vous pouvez le regarder deux fois, c'est quand même énorme. Alors, petite déception quand même sur le M3 Max, puisque là, ça fait plusieurs générations où je perds quasiment une heure à chaque génération. Vous voyez qu'on consomme quand même un petit peu plus d'énergie malgré tout chez Apple. L'autonomie baisse légèrement. Bon, ça reste quand même deux fois meilleur que le PC. Donc voilà, si vous voulez vraiment de l'autonomie, un vrai portable, je pense que Apple aujourd'hui est absolument imbattable sur le marché. Bon, alors pour conclure, MacBook Pro M3 ou Razer Blade 16 pouces, bon, ça dépend un petit peu ce que vous faites. Moi, je dirais que le Mac, c'est le roi de l'efficience. Le PC, ça reste le roi quand même de la performance. Alors, c'est pas toujours vrai, hein. Des fois, le Mac est devant sur certaines tâches un petit peu optimisées, purement CPU aussi, sur un petit peu d'encodage, sur certains filtres aussi. Je dirais que le PC, c'est plus un transportable qu'un portable. Faut jamais qu'il soit trop loin d'une prise électrique si vous voulez les performances. Et pour moi, ça fait la différence. C'est-à-dire que ici, si je fais du montage, je sais que je vais avoir
toutes les perfs, même si elles sont un petit peu en dessous du PC. Moi, je pense que Apple a fait quand même un travail incroyable avec ses puces en termes de conso, d'efficience, d'autonomie. Donc ici, on a vraiment un vrai portable pour travailler en mobilité. Après, il manque quand même de l'écosystème en termes de jeux vidéo. Pour la 3D aussi, on voudrait pouvoir ajouter voilà, des GPU externes. Que quand on le pose à un bureau, finalement, on ait des possibilités comme ça d'avoir plus de performances ponctuellement. C'est pas idiot hein, de le brancher, de se dire tiens, je vais encore décupler les performances, même si ça souffle un petit peu, j'en ai la possibilité. Donc aujourd'hui, bon, moi je vais rester sur Mac, j'adore l'écosystème, j'aime le fait d'avoir un vrai portable, de pouvoir travailler dans l'avion. Mais c'est vrai que si vous voulez des perfs, si vous bossez dans la 3D, dans le jeu vidéo, si vous voulez aussi beaucoup jouer, le PC reste inébranlable. Donc il y en a pour tous les goûts, il n'y a pas vraiment de gagnant dans cette vidéo. Voilà les amis pour ce comparatif, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous ai mis tous les liens sous la vidéo, voilà, pour les machines, pour les accessoires que j'ai utilisés ici. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez un abonnement VIP, ça permet de nous soutenir, de soutenir notre indépendance vis-à-vis des marques. Vous êtes plusieurs milliers d'abonnés, donc merci à tous. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.